Bon ben, au final, on est toujours là, c'est super. Ouais, c'est cool. De quoi? Ah ouais, un peu frustré, c'est... T'as raison. Bah en fait, si jamais ça avait été la fin du monde, je me serais lâché. Hein. J'aurais fait un tas de trucs que je fais pas d'habitude. De quoi? Des exemples? Déjà que la semaine dernière, avec le rouleau de PQ, on était borderline, là... Motus et bouche cousue. Cousue. Salut tout le monde! Excusez ma familiarité. Bonjour à toutes et à tous, amateurs éclairés et avisés qui suivaient notre émission hebdomadaire en date du 15 mai 2022. Mi-mai, mi-juin, mi-juillet, 2 mois et ce sera Japan Expo. Et vous savez quoi? On y sera, mais on y reviendra en temps utile, ne vous en faites pas. Et côté programme, voici ce qu'on vous a concocté. Un drama de Kindaishi pour la France. L'anime de Four Nights of the Apocalypse, une tournée européenne pour Maximum The Hormone, 2 OVA en lien avec My Hero Academia, la nouvelle charte graphique de Japan Expo, et comme d'habitude, notre sondage. Si je vous dis Détective Conan, je suis certain que quasi tout le monde connaît. Connaît Conan. Par contre, si je vous dis Kindaishi, là, il n'y a plus personne. Hein. Bon. J'exagère un peu, puisque Kindaishi Shonen no Jikenbo est un manga de détective quasi contemporain au fameux Metantei Conan. C'était même son concurrent direct à l'époque. En France, on a eu le manga qui a d'ailleurs jamais été finalisé, soit dit en passant. On a eu aussi l'anime, diffusé sur manga et sur J1. Et au Japon, on a vu également fleurir manga spin-off, drama... J'en passe et des meilleurs. Eh bien, ceux qui n'ont jamais entendu parler de ce génie de la déduction qu'est Kindaishi Hajime, vont enfin pouvoir faire sa connaissance via une nouvelle série live qui sera dispo en France très très bientôt, sur Disney+. Débuté il y a peu au Japon, le 24 avril, ce drama est prévu en 10 épisodes. Ludo, détective en herbe, voire en mauvaise herbe, avez-vous des infos supplémentaires quant à ce drama? Bonjour Lud, détective en mauvaise herbe, c'est pas très sympa, j'aurais préféré en fines herbes tant qu'à faire. Bon, comme vous voulez, hein, du moment que c'est pas en Marie-Jeanne, moi ça me va, hein. J'ai pas envie d'avoir des problèmes à l'antenne, une nouvelle fois. Alors, des infos sur le drama? Ok, après tout, je suis payé pour ça, n'est-ce pas? Alors déjà, le titre, on gardera celui de la version américaine, à savoir The Files of Jun Kidaichi. Bien, bonne info. Attendez, c'est pas fini. Ensuite, on sait que ce sera Kimura Isashi qui s'occupera de la réelle. Parfait, continuez. Pour le scénario, on aura le duo Kawabe Yuko et Oishi Tetsuya aux manettes. Super. On sait aussi que ce sera Michieda Shunsuke, chanteur du boys band Naniwa Danchi, qui incarnera le perso principal, à savoir Kindaichi. Bah, vous voyez, vous faites du bon boulot, vous donnez les bonnes infos, juste, rapide. Sinon, à part ça, vous, les gosses, la famille, tout va bien? Ah non, non, je suis pas habilité à répondre à ce type de questions. D'ailleurs, maintenant que j'ai fait mon taf, j'y vais. Bah, au revoir. Avec lui, c'est tout ou rien. C'est comme ça. Si on y regarde bien, The Seven Deadly Sins, Nanatsu no Taizai de Suzuki Nakaba, fait partie des mangas qui ont eu le plus de succès durant la précédente décennie. 41 volumes, un animé qui a bien cartonné, des spin-offs, des cosplays en veux-tu en voilà en convention. Et puis, le mangaka en était pas à son premier coup d'essai, puisque Blizzard Axel, ou bien Kongo Bansho, avait déjà prouvé son talent. Et... dans la foulée de son succès international Heroic Fantasy, Suzuki avait embrayé sur Four Nights of the Apocalypse, les 4 cavaliers de l'Apocalypse, hein, qu'on peut pratiquement considérer comme une suite de Seven Deadly Sins, puisque l'histoire contée se déroule dans le même univers, 16 ans après. Ce manga est d'ailleurs sorti chez nous il y a pas si long, et devrait être chroniqué incessamment sous peu en mangado, mais bon, la pile de titres à travailler est tellement longue, et comme en plus on intervertit par moments l'ordre de certains titres, n'est-ce pas? Bon, fini ma grosse introduction. Et donc, je peux vous informer qu'on a appris l'adaptation en animé de Four Nights of the Apocalypse. Peu d'infos ont filtré pour le moment, hormis un petit visuel.
Heureusement, Gugré, spécialiste moyenâgeux, va au moins nous en dire un petit peu plus sur l'histoire. Bonjour Loud. Tiens, comment savez-vous que j'ai développé un attachement particulier pour les univers médiévaux? Ouais, je sais pas, une intuition. Votre passion pour la barbaque aussi, également. Ah, je comprends. Même si, vous savez, c'est plus une légende qu'autre chose. Et donc oui, je suis là pour vous parler de Four Nights of the Apocalypse, c'est bien ça? Tout à fait. Alors, dans ce manga commencé l'an dernier, on suivra une légende arthurienne en découvrant la vie d'un jeune garçon vivant avec son grand-père sur la montagne du doigt de Dieu, Percival. Oui, Percival quoi, comme l'opticien. Plutôt comme le chevalier de la table ronde. Enfin bref, et le jour de ses 16 ans, un guerrier en armure rouge va les molester, lui et son grand-père. Ce guerrier n'est autre qu'un chevalier sacré de Camelot, missionné pour éradiquer les 4 chevaliers de l'Apocalypse. Ah, Camelot là, c'est en lien avec la série d'Alexandre Astier, hein? Moi j'aurais plutôt dit que c'était le château du roi Arthur, mais bon, enfin. Percival s'en sortira tout de même, et il n'aura plus qu'une obsession... Celle de la vengeance. Ok, un peu comme quand j'ai craché dans votre yop après que vous ayez pris le dernier Kinder Bueno au distributeur. Ouais, j'aurais préféré que vous me parliez plutôt du comte de Monte Cristo, mais on s'en contentera. Merci, Gugré. Ce que j'aime chez Gugré, hormis son magnifique costume, c'est qu'on est un petit peu sur la même longueur d'onde. On a grandi à la même époque, dans le même quartier, on a les mêmes références. Ça, c'est cool. Bon... Ça doit se voir un peu quand même, surtout avec la longueur de mes cheveux, mais un style de musique que j'apprécie tout particulièrement, c'est le rock. Metal, néo-metal, punk, ska-punk, bref, vous voyez un peu le topo. Et donc, c'est tout logiquement qu'il y a de nombreuses lunes, j'ai goûté au J-rock dans sa globalité. Mes groupes de prédilection, Siam Shade, Cold Rain, One Ok Rock, j'en passe et des meilleurs, mais aussi Maximum The Hormone. Un groupe bien quoi, hein. Et cette semaine, Vlatipa, que leur compte Twitter, nous apprend qu'ils reviennent en force en Europe pour une tournée, européenne, hein, c'est QFD. Bon, j'ai vérifié, et ils n'ont pas sorti d'album depuis 2013, ni même de single depuis 2018. Mais ça ne les empêchera pas de performer au mythique Hellfest de cette année. Total respect. À part ça, ils feront des dates à Barcelone, Cologne, Londres, mais aussi et surtout à Paris, le 10 juin au Trianon. Les places pour tout ça sont dispo sur Internet, suffira de chercher un peu pour trouver. À coup sûr, ils reprendront leurs plus grands hits, ainsi que les openings et les endings de Death Note, par exemple. Ou bien leur chanson F pour Frieza de Dragon Ball. Bref, des moments de lâcher prise en mode hangbang qui feront un bien fou. D'ailleurs, si quelqu'un est du coin de Charleville-Mézières et qu'il ambitionne d'aller voir MTH à Paris, qu'il me contacte, hein. On a des choses à se dire. Bon. Je pense que vous êtes tous au courant, mais un des gros shonen à succès de ces dernières années, à savoir My Hero Academia, s'arrêtera, en toute vraisemblance, à la fin de cette année. J'utilise des pincettes car les éditeurs vont peut-être tenter de rallonger la sauce en sortant de leur chapeau un fils, un cousin ou même l'oncle de la nounou de Deku qui l'aurait gardé pendant 4 jours quand il avait 5 ans. Mais même si l'on approche de la conclusion, le studio Bones nous prépare tout de même encore un petit quelque chose en relation avec nos amis de Boku no Hero Academia. 2 OVA de plus. On pourra d'ailleurs les voir en avant-première, dans certains cinémas au Japon, entre le 16 et le 19 juin, à l'occasion du Hero Day. Le Hero Day, c'est... j'ai rien trouvé, que dalle. Le seul truc que Google m'a proposé par rapport à cette date au Japon, c'est une victoire en éliminatoire de Coupe du Monde 5-1 du Japon face au Kirghizistan, là, l'an dernier. Je savais même pas que c'était un pays, le Kyr... Enfin, voilà, tu vois quoi. Sur les 2 OAV, on a juste eu des infos sur le premier, ou la première, selon si vous dites. Un ou une OVA. Et ce sera en lien avec un match de baseball entre héros. On verra bien ce que ça donne, mais moi, je suis toujours un peu dubitatif en ce qui concerne les fillers sportifs de ce type. Je dubite sec. 14 ans, oui. C'est l'âge ingrat des pustules et autres appareils dentaires, mais c'est aussi l'âge du logo de Japan Expo qui aura accompagné des centaines de milliers, voire des millions de visiteurs depuis moult et moult années. Mais après 2 ans sans salon, l'occasion était trop belle pour Japan Expo de pouvoir mettre en place une nouvelle charte graphique. Bon, comme tous les ans, on aura une nouvelle affiche avec, ici, le phénix de la Renaissance mis en avant. On y trouve aussi la mascotte de JE, une femme en yukata, ainsi qu'une ninja girl à la Sakura et un Duke Fleet, histoire, sans doute, de symboliser les différentes générations de fans. Encore une fois,
très joli taf de Aurore, qui a su mixer habilement le lien entre la France et le Japon en réalisant un hybride entre la Tour Eiffel et la Tokyo Tower. Mais là où il y a le plus de changements, c'est, comme dit précédemment, concernant le logo. On y retrouve désormais un mélange très design entre la terre, avec le mont Fuji, l'eau et une vague fortement hokusaïenne, ainsi que le sempiternel soleil de feu Hinomaru. Quant à la fonte même de Japan Expo, pas touche. Ou pas pousser mémé dans les orties non plus. Hein. Avec ça, Japan Expo prend un nouveau départ, pour le plaisir de tous. Même un vieux conservateur comme moi le kiffe ce nouveau logo. C'est dire. Plus de 200 personnes ont répondu au sondage de la semaine dernière. Record battu. Bon, c'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Plus de réponses, plus de likes, plus de commentaires, plus de vues. On pourra bientôt faire comme les autres youtubeurs et tenter des dégustations de produits ou bien des présentations de mangatech. Objectif final, la conquête du monde. Mais je m'égare. En tout cas, la semaine dernière, on avait envie que vous nous disiez ce qu'il fallait faire concernant les ruptures de stock. Eh ben, franchement, je m'attendais pas à ce que seulement 7% prônent les nouvelles éditions. 7 petits pourcents. Encore moins, c'est-à-dire 4, concernant le fameux tant pis, fallait l'acheter avant. Et donc, vous êtes une écrasante majorité, 89%, à tout simplement vouloir des réimpressions classiques, en insistant, comme Souther75 ou bien Kevin Chabas, sur le fait que les tomes hors de prix sur eBay, ben y'en a ras le cul. Et pour cette semaine, pourquoi pas revenir sur la nouvelle ligne graphique de Japan Expo ? Ça vous plaît ? Pour nous dire votre avis, ce sera, comme d'hab, dans l'onglet commu de la page YouTube. Bon, je vais la faire courte car j'ai encore un paquet de trucs à faire. Ouais, c'est souvent comme ça, hein, les fins d'année. Merci à tous d'avoir suivi cette hebdo manga news du 15 mai. On se retrouve dans 7 jours, mais d'ici là, n'oubliez pas. Durant la semaine, ne vous tenez pas informé de l'actu, sinon, ben on sert à rien. À la semaine prochaine. De quoi ? Ouais, tournage. J'ai même pas eu le temps de faire la vaisselle depuis au moins 2 mois. Ouais, alors en fait, c'est juste une excuse, hein, les tournages, histoire d'éviter à avoir à la faire, la vaisselle. Mais ça, ça reste entre nous, ok hein ? Moi, tu sais, bouche cousue. Mais merde, mais d'où ça vient, cette musique à la con ?